Trying not to stay. You had me mesmerized. And 3 weeks later, in the front porch light, taking 45 minutes to kiss goodnight. I hadn't told you yet, but I thought I loved you then. And now you're my whole life. Now you're my whole world. I just can't believe the way I feel about you, girl. Like a river meets the sea, stronger than it's ever been. We've come so far since that day. Oh my God, look at. And I thought I loved you. Promise me.
me smile. It makes me a better person. You are my Marshall to my Lily. You are my Derek Shepherd to my Meredith Gray. And you're my Danny Duquette to my Izzy Stevens. We really like Grey's Anatomy. From this day forward, I vow to cook you home meals, make fancy sandwiches, and steal at least 2 fries from your plate. I vow to be there by your side in good times and in bad. I vow to listen when you need to be heard. I vow to ask for 6 beautiful kids every day. Still want 6, eh? We'll start with one. Very good, sir. I vow to be yours and yours only, yesterday, today, and for all other tomorrows. Tommy Desha, take you, Katryna Belanger, as my wife. On this day, I confess my love to you. We are entering a new chapter of our lives, one of respect, sincerity, and love for one another. I vow to always trust you, respect you, love you, and support you. As we begin this life together, I vow to nurture this relationship and let it blossom into something wonderful. I vow to be yours in times of plenty and in times of want, in times of sickness and in time of health, in times of joy and in times of sorrow, in times of failure and in times of triumph. Finally, and this may be the most important one, I vow to always let you eat some of my fries from McDonald's when I have some and you don't. I love you, Katryna. It's Tommy. You make kids the bride. Ladies and gentlemen, I present to you for the first time Mr. and Mrs. Tommy and Katryna Desha. Let the party begin! Bienvenue au mariage de Katryna et Tommy. Je m'appelle Cole. My name's Mandy. Et nous sommes vos animateurs pour ce soir. Alors, c'est notre plaisir de vous présenter les parents de nos mariés. It is our honor to present to you the parents of the bride and groom. Lisa et Brian. Mesdames et messieurs, nous avons le plaisir de vous présenter le cortège d'honneur de nos mariés. C'est grâce à moi qui parle anglais, mais à cause j'étais dans l'armée. Fait qu'ils ont pu aller à l'école anglaise. C'est grâce à Sylvie, parce que moi, j'étais parti 8 mois par année. Donc, j'aimerais vous remercier d'être ici en grand nombre ce soir.
M'en faire du ben un peu, non? Sylvie, là, son neveu de vous accueillir. C'est un honneur pour nous. Quand Katryna nous a demandé si elle pouvait utiliser notre terrain, notre maison et tout, Sylvie a parti à pleurer, était triste, puis elle trouvait ça tellement plaisant. Mais vous dire une chose, si elle me le demandait aujourd'hui, j'aurais dit non. If she would ask me again about my land and my house, I would say no. Je vais prendre quelques moments pour vous présenter mon fils et ma bru. Okay, je sais que d'autres mondes vont le faire, mais moi je peux vous dire que Katryna, j'ai emmené, moi et Sylvie, on a emmené Tommy à maturité. On a fait un homme honnête, on a fait un homme avec un grand cœur. Pour ceux-là qui connaissent Tommy, c'est un être excessivement intelligent. Okay? On sait que quand on est dépassé par l'élève, il a dépassé le maître. Là, ça, on le sent. Fait qu'on donne un homme qui prend soin de ses sous. Ça va être bien pour toi. Okay? Puis Tommy, puis Katryna, car depuis que tu es rendu avec nous autres, on a appris un paquet d'affaires sur toi. Tu es excessivement gentil. Tu as un cœur généreux. T'es fidèle, t'es fine, on t'aime, bienvenue dans la famille. Par contre, tu as une famille, une famille n'importe quelle famille, tu tombes dans la mienne, dans l'autre. Ok, une chance que Sylvie est là, parce que ça serait un de moi, il aurait été levé du croche. Fait que, bravo Sylvie, pour ce que tu as fait avec notre famille. Et puis, je voulais juste vous dire là, des quelques petits conseils, quelques petites affaires, là, parce qu'on a placé toute la place. Il y a des toilettes chimiques en arrière, mais les petits gars, ça va bien avec le petit mini. Puis pour les filles, vous pouvez aller en dedans. Vous allez voir les toilettes, vous suivez l'intérieur, puis il y a des toilettes là. Faites attention au terrain aussi, c'est un... Il y a des sillons à terre, ça peut être dangereux pour le monde quand on marche. Je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont vu le talon haut, je vous le pas. Et puis, c'est à peu près tout, hein, Sylvie? Katryna, je suis très heureuse que tu sois avec nous. Puis, tu as choisi une femme à ton image. Quelque chose qui est très important pour moi parce que c'est tellement beau. Toutes les décorations que vous voyez ici, c'est grâce à Katryna, à sa mère Lisa, qui ont fait ça ensemble, mais avec l'aide, beaucoup, beaucoup d'aide de Sabrina, sa voisine d'enfance et sa belle-sœur. Alors, j'aimerais juste une bonne main d'applaudissement. On n'a pas rien préparé. On est sur le moment. Je suis content d'être là, je suis content de voir tout le monde. On a eu une très belle réception à date. C'est fabuleux ce que vous avez fait, préparé. C'est à ton image, ma grande. Tu sais qu'on ressemble, on récolte toujours ce qu'on sème. Mais aujourd'hui, regarde tout ce qui t'entoure. Fait que félicitations à vous deux. Merci beaucoup pour ce que vous offrez à tout le monde. Et puis, je vais passer la parole à Marie-Lou. Premièrement, je voudrais remercier Sylvie Piggy for the beautiful place. But with a lot of help from Katryna and her mother, and all her bridesmaids, and I don't want to leave anybody out. Right. It's a really nice. She said it, your brother. No, I just said it. I don't want to leave anybody out. The hard work that these guys have been calling to hear all week was really, really stressful for her father. He came home last night and he was really emotional. It was beautiful just to see him the way he was, to see the nice work that you guys done here. So thanks again to Sylvie and Guy to have let this nice evening take place.
Non, c'est Seigneurie, je pense, c'est ça? C'est ça, Seigneurie, hein? Puis moi, je me souviens pas qui était plus excité. Tommy, Katryna ou Sab? Qui allait peut-être avoir Katryna comme belle-sœur. Toute la soirée, c'est pis, comment tu l'as trouvé? Pis, c'est-tu pas pire? Pis, comment tu l'as trouvé, elle? Pis lui? Pis, c'est-tu pas pire? Fait que, moi, j'ai eu ça toute la soirée, pis, c'est-tu pas possible? Fait que, ouais. Fait que, anyway, ça, c'était une grosse histoire, pis, tu sais, je suis quand même content que. Hein? Fait que moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que Tommy et Katryna sont comme le yin puis le yang. C'est comme une belle histoire embarrassante de dire de Katryna. C'est quand même bien fun d'en dire ça. Puis de Tommy aussi. Fait que tu sais, moi j'ai déjà eu. Non, c'est parce que sinon, t'as. Non, c'est pas dit. Ok. En tout cas, moi j'ai déjà eu Tommy qui me dit. J'ai déjà eu Tommy qui m'a appelé pour me dire « Hey Mike, tu sais pas quoi? » Je dis « Quoi? » Elle dit « Tu sais pas qu'est-ce que Kat vient de me dire? Qu'est-ce qu'il y a? » Elle m'a appelé et il me dit « Mike, on montait sur une pente en auto là. » Fait que là, oh yeah, oh yeah! Tommy m'appelle et me dit « Mike, on montait sur une pente puis tu sais les maisons sont dans une côte là. » Fait que je suis là « Ouais, ouais, qu'est-ce qu'elle me dit? » Elle me regarde, elle me dit « Je sais pas comment que les meubles tiennent dans cette maison-là. Là, je comprends pas, moi, je vois pas sa face, tu sais, fait que je suis genre, de quoi tu parles? Tommy, il dit, Mike, il dit, elle pensait que les meubles étaient tous coupés à 45 degrés parce que sinon ça allait tomber. Hey, des histoires de même, j'en ai plein, là. Tu sais, comme, pourquoi est-ce que les chiens miraux donneraient de l'argent pour les chiens miraux pour les chiens aveugles? Je comprends pas ça. Tu sais, ou, hey, regarde-moi, Tom! On est en auto, il conduit sur l'autoroute. Regarde-moi, Tom, je bronze plus rapidement. Les rayons UV tapent. Fait que je bronze plus rapidement. Mais tu sais, comme, je peux dire ça, mais Katryna est zéro gênée, puis Katryna n'a aucun problème de rire avec ça. Mais par exemple, Tommy, lui, rire de Tommy, c'est complètement différent. Je me suis, quand j'habitais encore à Fleurimont, on habitait dans mon appartement. J'avais une clôture à cette hauteur-là. Bianca est là pour le dire, Sabrina est là pour le dire. On avait une soirée, tout allé au cinéma, tout en gang. Moi, je saute par-dessus la clôture. Dans le même, saute bien facilement, rentre en dedans, ferme la porte. Tout ce que je vois, c'est Tommy qui se pique un sprint. Puis Tommy manque la clôture. Pogne la clôture là, face première sur le béton à terre. On rit, on rit, on rit. Tommy Marat dit. Je vais pas le dire, mais hein, Tommy il s'en va, puis en tape. Appelle Katryna, puis dit on va plus souper avec eux autres. On va plus cinéma avec eux autres. On veut plus rien savoir de eux autres. Katryna au téléphone, qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi tranquille! Téléphone, Tommy insulté. Moi, j'essaie d'appeler Tommy. Là, il vient, Tom, calme-toi, là. Non! Me raccroche à la ligne, il veut plus rien savoir. Oh, fais spinner ses tailleurs, toi, tellement qu'il était en tête. Fait que, tu sais, des histoires de même, là, c'est. Tommy est bien gêné, mais Katryna, Katryna rit encore de ces histoires-là, tu sais, comme chez Mira, puis tout ce genre. C'est les maisons à 40 hectares. Mais anyway. Sinon, en tout et partout, j'aimerais ça, Katryna, t'inviter dans notre famille, puis... Non, you were already way before that. I'm just letting you know, je suis fier de t'inviter dans notre famille, mais you never needed that. T'étais déjà dans la famille même avant ça. Sinon, j'ai trouvé une quote en ligne que je trouvais bien cute. Il est pas mal bon, c'est moi qui. Je te jure, c'est pas Sabrina qui l'a écrit. Elle est arrivée, puis elle m'a dit ça c'est de la menthe, ça c'est de la menthe, ça c'est de la menthe. Puis il a fallu que je le refasse, mais ouais. Mais la quote que j'ai trouvée en ligne pour vrai, c'était: Marriage is not about finding a person you can live with, it's about finding the person you can't live without. Et je suis certain que mon frère va trouver ça ce soir. Quelqu'un que tu peux vivre avec, c'est à propos de trouver quelqu'un que tu peux vivre sans. Que tu n'es pas capable de vivre sans, excusez. Et je suis certain que Tommy a trouvé ça ce soir. Alors, j'aimerais remercier et donner un toast pour Tommy et Katryna. So, we asked you this speech a little over a year ago. Is this better for you?
So being asked to give this speech a little over a year ago, I thought it shouldn't be this hard. There are a million and one stories to share, but as the day got closer, I started to realize that not many of those stories are appropriate. They should not be shared on a wedding day, nor in front of your grandparents, aunts and uncles, mom, dad, and anybody else in this room. That table right here, you're safe. Oh, yeah. We got you covered. So maybe I'll go with a few fun facts about Katryna. So after a hard night of partying, nobody sweated, Katryna can't keep red lipstick on her face. It ends up to here on her eyebrows. When in trouble, she will in fact share her gum with anyone. Kelly can vouch for this. She has chewed Katrina's gum previously. As sweet as she can be, Katryna can go from zero to crazy in 5.2 seconds. I've witnessed it happen on multiple occasions. My hair has grown back, boys, thank you. She should not play ride the bus while drinking red wine. I guarantee you it will end badly. A table right there can vouch for that. I have a video if anyone would like to watch it. She does not like stray animals or dogs showing up in her apartment at 3 a.m. in the morning, nor does she like them living in her bathroom for the evening. She does not like being locked out of her own personal loft at 3 o'clock in the morning after being stuck at a hospital with our other best friend, and I locked the wrong door and won't answer anymore. Normally, she does like to eat pizza pockets, unless it's after a night of heavy drinking while Kelly and I force feed her. And if every day could be Halloween, as we all know, Katryna would be forever happy. So as many of you know, Kat and I, along with our other best friend, Kelly, have lived together in a small studio apartment where we've made many, many memories. But that loft was also where we cried over boys, school, drank wine, and attempted yoga instead of writing our essays. Over the years living with Katryna, I came to realize that she was more than just a best friend. To be honest, I'm not really sure how to describe you. You see, what you are, what you mean to me. You're an amazing person, and I think that everyone in this room can agree on that tonight. You are caring and forgiving, you're generous and funny. You lack a filter when it's probably needed the most, but most of all, you are you. So do I. You've been my personal hairdresser, my makeup artist, my personal photographer, and even held my hair back in my not-so-graceful moments. I can't say that I'd have survived everything that life has passed at me or at you in the last 7 years if I didn't know that I had you to stand by my side. You are truly the meaning of a best friend for life. Tommy. Oh, Tommy. So despite our rough start, I want you to know that I will forever be grateful that Kat has found her one true love. That she has someone who will make her laugh every day, and that someone she can lean on when life gets a little rough. Seeing you both sitting here tonight is an exciting new chapter and begins in your life. I have no doubt that both of you will achieve anything you put your minds to. So let's raise our glasses to an amazing day and night, and a future filled with happiness, to Katryna and Tommy. I'm not really good at speaking on the microphone, I guess. I would like to begin by thanking our host, Bill Sylvie. Merci, Bill Sylvie, for votre hospitality. Bien apprécié. You're having us all in your beautiful home. You have been so kind and gracious. And to all of us, merci beaucoup pour tout ce que vous avez présenté. This will be a day to remember, a day to cherish the rest of your lives. Born on February 22nd, 1990, my baby girl came into this world a blessing in so many ways from the moment that she took her first breath. We knew she was our little princess. Katryna was a little butterfly. Her arms would flutter with a laugh that would echo and bring smiles to all. And as we all know, she's still the same. Oh, yeah. Katryna grew into a sassy,
A beautiful, intelligent young woman. She has a drive like no other. An organization, organizer. We all found out when she sent everyone their 6-page PDF file. Each one of us. With instructions, preparations, and the day of the wedding, everything was organized from morning to night. Katryna, my vibrant little butterfly, so colorful in many ways. Now we are blessed with a wonderful young man, Tommy. Thank you for taking my daughter's hand in marriage. I know you will love her and care for her. Hand in hand, you are now on a journey together. A future that is waiting to happen. Tommy, Katryna is a fierce young woman. She's my mini-me. Be prepared. She's my pride and joy, my baby girl who is now your wife. Be kind, be gentle, be loving, but most of all, be happy together. God bless you both and have a many, many wonderful memories together. At the evening beginning, love Mama Bear. I feel like a little Johnny come lately to this family. I've been around for about 4.5 years with Lisa, and got to know Katryna quite well, and Tommy. And I gotta tell you, these two young people are as close to my children. I have two children in their 20s, and these two are a couple of class acts. And I'm very proud to call them my stepchildren, and they're. I'm looking forward to big things from them. But I'm so excited for the two of you this evening. This has been a year in the making, more than that, really. But I'm so proud to be here. And Tommy, you are like a son to me, Katryna. Very much a daughter to me. And I'm extremely proud of both of you. On that simple note, congratulations and I look forward to many years of togetherness for the both of you. Thank you.